Salut à tous et à toutes et bienvenue! Bienvenue pour un nouveau live sur Bloodborne, le New Game Plus 9. Incroyable, le New Game Plus 9, on continue et on va se faire du coup le DLC aujourd'hui. C'est ce qui est prévu, hein. Je l'ai pas écrit, mais c'est ce qui est à peu près prévu puisque il nous reste, je crois, un boss optionnel à faire. On avait fait Amidala, on avait fait Parle Sombre Bête. Il nous restait Logarius, voilà, Logarius qu'on n'avait pas encore fait. Et ce sera après le DLC. Alors je ne sais pas trop dans quel sens est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on se garde Logarius pour un peu plus tard, ou est-ce qu'on y va assez rapidement. De toute façon, le DLC, ça va être ligne droite, ligne droite, ligne droite, hein. Ça va être assez rapide. Voilà. Sauf contre Ludwig, hein. Oh, on va faire aujourd'hui le combat Moonlight versus Moonlight. Quel Moonlight va le remporter? Vous le saurez très vite dans cet épisode très palpitant du playthrough de Bloodborne. Donc, à bien le bonsoir à vous. Alpha Choto, salut à toi. Écoute, ça va et toi? Comment il va? Maël, salut également à toi. Et Yo Vanoxis. Bien le bonjour à vous, installez-vous confortablement sur le stream. On attaque à un poil plus tôt. Oh, 2 minutes d'avance, c'est incroyable. Batista, salut à toi. Bien le bonsoir, Daspawn. J'aime de vie, j'aime de vie. Voilà. Je sais pas si c'est ça ce que tu voulais absolument entendre, mais voilà. Karmacit, bien le bonjour à toi. Ok. Donc on a à peu près tout racheté. Est-ce qu'on a réparé la Moonlight? Ceci est une question trépidante puisque cette Moonlight est fragile. Ok, tout a été réparé, donc c'est parfait. On avait fini sur un bon truc la dernière fois. C'est vrai que là... Oh, mais oui, la semaine dernière, rappelez-vous cette session. Alors, autant on a galéré sur la première session à se remettre un peu dans le bain, autant là, la semaine dernière. Et Prixic, bienvenue! Bienvenue dans la communauté restreinte du Boya. C'est vrai que autant la semaine dernière on a été les boss hein, quelque part. Ah mais je crois qu'on avait en plus l'accès au DLC. Il doit être par là-bas. Alors attends, on a l'accès au DLC. Mais je voulais faire quand même Logarius aussi. Pour aller faire Logarius, il faut que j'aille. Putain, je crois que c'est dans. Ah, attends, il faut que je passe par le raccourci de la forêt. Raccourci qui est de l'autre côté. Oh là là, quel merdier! Quel merdier! Il faut passer par les bois interdits, mais je me rappelle pas où. Oh, on va voir. On va retourner à nos fameux bois interdits. Matheson, salut à toi. EGXO Live, bien le bonjour. Hello Soon, salut à toi. Voilà, on commence tout doucement aujourd'hui, hein, on se remet un petit peu dedans. Je rappelle encore une fois que bientôt c'est les vacances de Raven, hein, donc qui dit vacances dit pas de live. Et ce sera pas comme vous avez des fois l'habitude, c'est-à-dire bon il y a un petit week-end qui saute, éventuellement un petit mercredi. Là je pars 15 jours, donc ça va être un peu plus long. Ça va être un peu plus long. Je mettrai un gros pavé sur les réseaux sociaux comme d'hab, hein, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais voilà, donc bientôt ce sera les vacances. Hein. Monsieur Grosso Merdo, je pars en vacances fin de la semaine prochaine. Donc en gros, samedi de la semaine prochaine, bah, je ne serai pas là, quoi. Je ne serai pas à l'appartement. Il m'avait semblé que c'était par là, mais je me suis peut-être fourvoyé en fait. Peut-être par là. Alors, je me rappelle qu'il y avait un portail. Voilà. Mais est-ce que c'est par là ou est-ce qu'il faut passer par là? Ah! Ça me rappelle quelque chose. Ouais, bon. Lui, il dit juste. Voilà, désolé. Mais il faut pas passer par là, je crois, si. Je ne sais plus. Ah, j'ai une sale mémoire, hein, vraiment. Je me rappelle plus. Parce que là, t'as les corbacs, t'as ça. Ah, mais non, de mémoire. Attends, attends, attends.
De mémoire, tu dois passer par là où il y a les chiens. Voilà. Et il faut passer par le marais. Pour retourner à Yharnam, la place centrale de Yharnam. Et de là, après, t'actives des raccourcis qui permettent d'aller à la clinique de Yosefka. Voilà, on s'y retrouve. Enfin, j'espère. J'espère que j'ai pas dit trop de merde. On va voir. Le marais empoisonné. Parce qu'il en faut toujours un. Hein. Ma résistance au poison est juste. Est juste dingue. Alors que j'ai rien fait pour. Hey Sonix, bien le bonjour à toi. Erasmao, salut à toi également. Kenshiro, hello. Tu me payes mes vacances. Ah bah je les ai eues à la sueur de mon front, mes vacances. Hein. Congé payé, voilà. Hop. Raven, j'ai un problème, j'ai fait tous les types de donjons. D'ailleurs, j'ai vu le platine il y a deux jours. Mais quand je veux faire les calices pour tes gemmes, ça me dit que j'ai rempli pas les conditions. Est-ce que tu as fait un donjon calice racine avec toutes les conditions possibles et inimaginables quand tu crées ton racine? Normalement, c'est ça, faut au moins en avoir créé un comme ça. Enfin, créé et fini, j'imagine. Voilà, le petit raccourci. Le mec a fait 20 fois le jeu, j'ai une mauvaise mémoire. J'ai une très sale mémoire. Non mais, alors oui, j'ai fait plein de fois le jeu, mais n'oublions pas que ça fait un petit moment quand même que j'avais pas fait le jeu en run. Le NG plus 8, il date de combien de temps, franchement? Et il date d'il y a un moment. Hein. En fait, tu nous fais une run découverte en NG plus 9, ouais, c'est ça. Bonjour, je suis débutant, comment ça se passe? Là là. Deathbed, bien le bonsoir à toi. Bon, en tout cas, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Buvez bien, faites pas comme moi. Oh. Ok, on ouvre là. Takenryu, bien le bonsoir à toi. Ah, mais les racines, c'est pas forcément très long, hein. C'est pas nécessairement très long. Hein. Bon, j'ai ma convocation à Kenhurst, mais pourquoi s'arrêter là quand on peut aller voir directement la... Alors du coup, c'est la fausse Yosefka qu'on va voir. Parce que la vraie, c'était l'espèce de schtroumpf. Elle est par là, non? Tout dépend si j'ai de la lucidité ou pas en venant là. Ah non, la lucidité, tu l'as une fois que t'arrives là-haut. Sinon, elle t'attaque si tu y vas trop tôt. Elle te dit, cassez-vous. D'accord. Regarde, elle se présente à moi. Elle n'attend qu'une chose, c'est que je lui plante mon épée. Répondons à son appel. Ah oui, d'accord. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, les tirs de cordon ombilical, je ne peux pas les stocker. Voilà. Je sais pas pourquoi je peux pas les stocker là. Je sais pas si c'est un bug ou quoi de cette run. Bon, en tous les cas, on peut toujours les consommer et les remettre dans l'inventaire, c'est pas très grave. Je crois qu'on aura tous les tirs de cordon ombilical du coup. Du coup, on a fait ça, donc on peut se barrer. On va repartir par là. On va repartir par là. On peut se barrer et après, il faut. Ah putain, il y a les sorcières de MV aussi qu'on a pas fait. Ah, mais il y a quand même quelques boss qu'on a oubliés. Par contre, les sorcières en NG plus 9. Où la partie de plaisir n'est pas encore là. J'imagine bien des bons gros one-shots dans ce genre de run. Ah oui, bon, on s'est fait one-shot tellement de fois que c'est la base. C'est la base. Ok. Donc attends, on a ça. Là, puis il faut que j'aille à la grande cathédrale. Pour aller au niveau des sorcières. Attends, on n'est jamais allé voir les sorcières, sérieux, j'ai oublié. J'ai complètement zappé, quoi. Youps. Comment ça se passe? Bah, tu vas roter du sang, connard. C'est tellement ça. T'inquiète, chez moi aussi, il fait chaud. Surtout qu'en stream, c'est affreux, parce que t'as le casque, t'as la play qui chauffe à mort la pièce, t'as l'ordi également.
C'est... Ah, c'est insoutenable. Samedi, ça va... je sais pas comment on va faire. Surtout que ça va être le dernier gros live samedi avant mes vacances. Et j'avais envie de, tu sais, de marquer un peu le coup, de faire un gros live. Et je sais pas comment on va faire. En plus, y a pas le DLC Nioh 2 qui va sortir aussi? Putain. Faudra que je l'achète, ça veut dire. Parce que j'ai toujours pas préco. Un œil injecté de sang. Génial, on dirait les miens. À la Naruto, tu sais, t'enlèves les yeux comme t'enlèves un bouton, quoi. Hop, je t'ai piqué ton nez. Oh non! Hop, je t'ai piqué ton œil. Oh non, encore. Ah, le ventilo en stream, c'est chiant, vous allez l'entendre, il fait un boucan pas possible. Attends, le petit ventilo Silvercrest de chez Lidl, que j'ai acheté il y a des années en plus. Aïe. Oh, ça va, il m'a pas fait trop mal. Ouah! Oh non, non, non! Allez, on se pousse. Ah, merci. Cette petite zone. Elle est sympa cette zone, j'aime bien. Mais j'ai pas le temps. Je me demande si... Ah si, je crois qu'il y a un moyen pour aller plus vite dans cette zone, mais je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Merde. Qu'est-ce que je fous là? Attends. C'est pas par là où je voulais aller à la base, attends. Non, ça va être plus loin. It's your fault. Ah, c'est là. Ouais, en fait, d'accord. T'arrives à la grille, tu vois que c'est fermé, tu te casses là. Voilà, et tu vas par là. Ici. On va s'en sortir, hein. On va s'en sortir, c'est incroyable, mais. On n'y croit tellement pas. Voilà. Aïe. Putain de merde. Eh, il est bon, sprint le ravi, hein. Attention, est-ce qu'il me lance sa brique? Voilà. J'aurais pu me faire avoir, j'admets. Vite, 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 allez! C'est bon. Je crois que nous sommes hors de portée. Ouh! Un autre œil injecté de sang, parfait, ça me remplacera les deux. Comme ça, j'ai la paire. Parce que j'ai la paire solaire aussi. Ouais. Attends, faut aller où là? Non, faut continuer en fait. Continuons sur les toits. Excusez-moi, je cherche des sorcières dégueulasses. Vous savez où je peux les trouver? Oula. Attends. Ah! Oh! Voilà! Voilà, voilà! J'étais en train de me dire, attends, si je meurs. Le simple fait de le penser l'a fait. J'ai une Moonlight qui tape à 200, à 915, pardon, des dégâts de foudre avec en bonus et sans durabilité de merde ou de PV qui diminue. C'est très bien, c'est très très bien. J'ai pas tout suivi sur ta run Nioh, tu en as pensé quoi du deuxième opus? J'ai trouvé que c'était un bon jeu. J'ai trouvé que c'était un bon jeu en soi. Il y a beaucoup plus de choses que dans le 1, c'est ça qui est agréable. Par contre, comparé au 1, ils ont nerfé à l'infini la transformation. Dans le 2, ils appellent ça transformation... Merde, pourquoi je passe par là? Dans le 2, ils appellent ça transformation yokai. Dans le 1, c'était quoi déjà dans le 1? Comment ça s'appelait? Ah, je me souviens pas du terme technique, mais... Mais tu sais, ça revient au même que dans le 1. Et dans le 1, c'était complètement craqué. Dans le 2, ça ne sert à rien. Mais genre, je veux bien que j'exagère certaines situations, que voilà, des fois, je rage un peu. Mais vraiment, je n'arrive pas à y trouver une utilité. Et quand je vais sur le Reddit de Nioh, ou tu sais, sur des forums,
pour essayer d'avoir une indication, tu vois, du genre, bah attends, est-ce que mon build est mal foutu? Les gens, ils galèrent à trouver une bonne utilité à ce truc. C'est du genre, ah si, ça peut faire des dégâts si tu fais ça, enfin, tu sais, genre, si t'as un truc hyper précis dedans, mais c'est tout. Je veux dire, sinon, ça, c'est pourri. Donc, un peu déçu de ce côté-là, parce que moi, j'aimais bien, enfin, je trouvais que ça faisait partie du gameplay, en fait, c'est-à-dire... T'es dans la merde, tu te transformes en yokai, ou tu sais, voilà. Tu te transformes en monstre, quoi. Et genre, t'arrivais à te sortir de situations bien gênantes, quoi. Genre, ah bah tiens, le boss a plus beaucoup de vie, mais toi non plus. Ok, yes, merci madame. Pourquoi vous avez mes âmes d'ailleurs? Rends-moi ça, toi. Voilà, ça ne t'appartient pas. Faut que j'aille voir les sorcières. Bon, le boss les sorcières, à quoi ça va ressembler? À une vraie purge, je pense. Putain. Dis-toi que chacune de ces personnes pourrait me one shot. Ah, l'arme vivante, merci. Alors, connasse. Okay. Où est-ce que t'es? Ah non, mais attends, il n'y a pas que les quatre coins, elle peut aussi se mettre là. Ce qui est d'ailleurs complètement con. Là. Bon, t'es où, mémé? Oh, j'avais oublié ça. Alors, on se demande ce que t'as pas oublié dans ce jeu. Je n'ai pas oublié mes compétences. Je n'ai pas oublié comment me battre dans cet environnement hostile qui est Bloodborne. La concentration est à son maximum. Ah. Mémé, elle a cassé un truc. Où est-ce qu'il y a un truc cassé, là? Bordel, elle est où? Là. What? Ah, elle est là. Ah, elle a ramené l'autre. Merde. Oh, fiche. Oh, putain. Et... je crois qu'il y en a qu'une sur les deux qui peut, tu sais, ressusciter. Enfin, qui a le pouvoir de faire ressusciter l'autre. Du coup, là, ça doit être GG. Taste de Booyah! Sorcière! Voilà, first try. J'ose rien dire sur ce boss parce que le karma allait me rattraper, donc... ce boss se fait, mais bon, c'est les ombres qui font beaucoup de dégâts. On va faire un aller-retour.
sort demain ou vendredi. D'accord. Ça va, j'ai le Season Pass, pas besoin de m'en occuper. Je devrais le prendre aussi, le Season Pass. Je devrais le prendre aussi. Alors, déjà on va. Hop. Là, on rachète ça. Merci pour les GG. Ces fameux GG trop beaux. Cette emote GG absolument merveilleuse. Ah, merci de l'utiliser en tout cas. Pandoxide ne s'est pas fait chier pour rien. alors. Donc du coup, les sorcières, c'est bon. Attends, elles sont à quel truc, là? Non, celui d'après, je crois. Demeure de la sorcière, ouais, c'est ça. Vous êtes plus de 40 sur le live. Merci à vous d'être là, en tout cas, ça fait bien plaisir. On était très concentrés sur ce combat contre les sorcières. Après, il y a Logarius, et ensuite, c'est le DLC. Et je pense qu'il y a moyen de s'éclater, hein. Non, c'est surtout, j'ai hâte de la confrontation Raven versus Ludwig. C'est... ça, putain, s'il y en a qui maîtrisent Photoshop, tu mets mon perso versus Ludwig, tu mets une vieille arène à la WWE derrière. Extreme Rules. Quoique, est-ce que ce serait pas un WrestleMania match? Oh là là. Alors attends, c'est où qu'il faut que j'aille? Je crois que c'est un machin. Où c'est que c'est? C'est ça là, je crois. C'est ça. Dairice qui troll. Salut à toi, Dairice. C'est pour ça qu'il me faut des modos, mais le problème c'est qu'à chaque fois... J'ai toujours cette malédiction des modos et c'est très infernal. Tu mets quelqu'un à la position de modérateur, quelqu'un qui est toujours là, et à ce moment-là, ben, il peut plus venir. Donc bon, c'est la merde. Oh, et puis après, je stream pas assez pour... What? Je stream pas assez après pour... Voilà, quelqu'un comme par exemple, je prends l'exemple de EXM qui streamait là il y a pas longtemps... quelqu'un comme lui qui stream pratiquement tous les jours, il a besoin de modo hyper actif quoi. Elysia, salut à toi. Comment va? I'm not a bot, trust me. On dirait, tu sais, les vieilles pubs à la con qu'on avait tous à un moment sur nos PC. Tu cliquais sur un lien et t'avais un vieux pop-up de merde. Bonjour, je m'appelle Truc Bidule. Vous voulez vous faire de l'argent facilement avec ma méthode? Putain. Vous pouvez vous faire 100 000 euros. Incroyable. Tsuki Daito, bien le bonjour. Ça va super, ça fait longtemps. Mais oui, mais ça fait un bail, Elysia. Ça fait un bail. En vacances, non? Même pas? Moi, pas encore, mais bientôt. Bientôt, bientôt. Donc ça va être coupure de stream pendant 2 à 3 semaines, et puis voilà. Je pense que ça va bien être 2 semaines et demie de coupure. Ça va bien être 2 semaines et demie de coupure. Et après on reviendra plus fort. Salut Cyril. Animateur Levia, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Mais en fait, j'ai pas... D'un point de vue physique, ça va. Je suis bien, mais d'un point de vue mental, je pense que les vacances, ouais, il y a besoin en fait. C'est la fatigue mentale en fait qui muse plus qu'autre chose. Puis c'est surtout que là, ces derniers temps, j'essaie vraiment de programmer les vidéos, tout ça, pour les planifier sur YouTube. Comment ? Les planifier sur YouTube et tout, pour quand je serai pas là. Et en même temps, j'essaie de sortir de nouveaux concepts de vidéos et c'est tout faire là juste avant les vacances. Je passe des week-ends absolument. Bah, le week-end dernier, c'est simple pour vous donner une idée. Par exemple, c'était quand dimanche. Dimanche, j'ai pu avoir 1h30, je crois, pour jouer à la play. Tout le reste, ben soit je faisais autre chose, voilà, un truc de la vie classique. Soit j'étais en train de bosser sur des vidéos. Un très bon dimanche. Ça rappelle les dimanches quand je fais des speedruns commentés. Je passe tout mon dimanche dessus.
Attends, là faut passer par où là? Non, je crois qu'il faut passer par là. Voilà, comme ça t'évites de te faire attaquer. Il y a un raccourci, mais je sais plus où est-ce qu'il est. Quoique si, je crois que je m'en rappelle. Putain, je crois que je m'en rappelle, attendez. Enfin, si on meurt pas sur le chemin. Ouah. Ah, même pas. Il faut prendre des vacances, bon Dieu. Prenez des vacances, reposez-vous. Arrêtez de travailler. Quoique, en ce moment, j'ai l'impression que c'est plus une chance qu'autre chose si on travaille. Parce que j'en connais pas mal qui, malheureusement, n'ont plus de boulot. C'est la merde. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, de mémoire, il suffit, pour le petit skip de cette zone, il suffit de courir par là. Regardez-moi ça, et hop là. C'est pas du tout ça. C'était bien là, pourtant. Oui, c'est là. C'est juste... Ah! 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 Un chien! Ah oui, il était trop petit pour que je te touche. Wouhou! Voilà. Et ici, vous pouvez activer sereinement ce raccourci, qui est incroyable, puisqu'il permet d'aller à Logarius directement. Évidemment. Voilà. Parfait. Ah, comme ça, on ne met pas 2 heures. Le combat avec Logarius, quand tu as de la rouille, c'est chaud, je trouve. Ouais, bah après... Moi, c'est le début de Logarius que j'arrive pas. Après, bon, il devient un berserk, donc c'est chiant. Mais ça peut encore se gérer, ça dépend. Mais le tout début du combat, j'arrive pas, en fait. Il te spamme de magie, tu peux rien faire. Il aurait fallu que ce soit plus long, c'est toi, j'aime bien. Comment tu reviens en arrière? Bah tu peux pas! Ah là là. Allez. Besoin de quoi? Besoin de vacances? Besoin de pina colada? Besoin d'une plage bleutée paradisiaque? Achète mon casque VR semi-réalité. Semi-réaliste. Pile non comprise peut contenir des peanuts et nous permettons de changer les prix sans vous avertir. Ah, classe, classe, classe. Oh là là. Bah après, il y a, comment dire, moi, juste des vacances, tu sais, changer un peu de cadre et rien branler de la journée, ouais, ça va. Plage, ma copine n'est pas trop fan, je pense. Je pense que larver à la plage, c'est pas trop son truc. Moi, ça me dérange pas. Je sais pas, je serais... Mais par contre, ouais, la plage ou juste une piscine, tu vois, ce serait pas mal. Parce que quand t'es en appartement, que t'as même pas un balcon, oh, c'est un peu relou quoi. Ça c'est moi, la veille de mes vacances, tu sais. Quoi, c'est 17h, c'est la fin de la semaine, allez, vacances. Le mec il pète un câble. Ah Logarius, combien de temps que je t'ai pas affronté, ma vieille canaille. J'adore ce boss, un de mes préférés de Bloodborne. Un combat tellement exceptionnel. Un peu comme le champion Gundyr, hein. Le combat est tellement ouf. Ah, il me fait ses magies de mort, là. Ah ! Oh, j'ai cassé ton trône. J'espère que ça te dérange pas. Ok, merde. Ah, j'ai oublié qui. Ouah. Ok. Stop right there. This is the police. Trop tôt.
Les mille lames du désespoir. Encore ? Un peu de jus la rend, il l'a refait. Elle est où ? Oh non ! Non, il m'a mis contre les cordes ! Ah, dommage ! Très très bon try. Non, il lui restait rien. Tristesse. Carriel YouTube, salut à toi. Alors en vrai, ça va. Franchement, bon try. On a failli le first try en NG plus 9, alors que ça faisait un siècle qu'on l'avait pas fait. Ah, c'est cool. Bah, j'ai eu pas mal de chance sur certains... sur certains contres. J'ai l'impression que c'est plus facile de contrer la petite dague qu'il a que l'autre épée, mais le problème, c'est que... la petite dague, là, elle fait des dégâts, quoi. Enfin, c'est même pas une dague, c'est une épée. C'est une épée droite. Bon, au cas où on meurt. Mieux vaut partir prudent, tu vois. Sortez couvert. Aïe. Oui, oui. C'est la cage aux folles. On se tire. Aïe. Je vous demande de vous arrêter. Dites donc, c'est quoi ces manières? Ah oui, on peut tirer sur l'épée, effectivement. Moi, j'y allais toujours au cac. Ouais, on pourrait en profiter un peu plus. Ah, mais Locarius, franchement, moi, j'adore ce boss. Ah, le comparer avec le roi sans nom, ah, c'est peut-être un peu gros, parce que le roi sans nom est très très fort. Locarius, il est fort, mais je trouve que c'est plus un champion Gundyr, quoi. C'est genre, c'est pas l'ultime boss, tu vois. Si tu veux comparer... Ah putain, mais on n'a pas fait non plus Ebrietas. Oh là là, mais tellement de boss qu'on n'a pas fait. Bon, j'avais dit que je voulais attaquer le DLC, donc on attaquera le DLC. Putain, il y a Ebrietas aussi, mais on n'a rien branlé en fait. Alors venez, il oublie la moitié des boss. Putain. Et ça se dit fan. Là, on n'a pas fait Ebrietas en plus. Mais oui, voilà, Roi sans nom, c'est plus à comparer avec Ebrietas en vrai. Bonjour. Aïe. Putain. Ok, vous faites des dégâts. Ok. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu n'utilises pas l'autre... Hop là, la Moonlight à deux mains. Ah, yes. J'adore. Eh bien, je n'utilise pas la Moonlight à deux mains, tout simplement parce que j'ai besoin de mon pistolet. Oh là là. Ouais, Laurence est un mauvais boss. Laurence est un mauvais boss. Ça... Laurence est le mauvais boss. Il y a toujours un mauvais boss dans les jeux, tu sais. Un qui est un peu mal foutu ou quoi... Dans Dark Souls 1, je saurais pas trop lequel dire. Dans Dark Souls 2, le dragon ancien, facile. Il est très mal foutu, ce boss. Dans Dark Souls 3, il y en a tellement que ce serait un peu compliqué de tous les énumérer. Et dans Bloodborne, ouais, c'est clairement Laurence. Et dans Sekiro, ce serait... comment ? Le démon de la haine. Ce serait plutôt le démon de la haine. D'ailleurs, parlant Sekiro, il y a une mage qui va sortir en octobre, qui rajoute des trucs. On pourra réaffronter les boss quand on veut. Donc tu sais, on pourra sélectionner le boss et le refaire, je trouve ça plutôt cool. Après, il y a un truc... remontrer une action pendant 30 secondes, je pense que ça c'est pour aider les gens. Parce qu'il n'y a pas le système comme ils avaient fait avant. Putain, mais est-ce que je vais y arriver un jour ? Il n'y a pas le système comme... Génial. Il n'y a pas le système comme il y avait avant pour... tu sais, avec les ombres et tout, là, comme dans les Dark Souls. Il n'y avait pas ça. Donc, vu que c'est un jeu purement solo. Donc, du coup, ils ont fait un truc un poil multi, hein, j'ai l'impression. Snake20, salut à toi. Ça va bien la Moonlight? Ouais, mais pour l'instant, on fait que mourir, donc c'est un peu chiant.
On beurre comme un caca pour pas grand chose, alors qu'on a failli first try Logarius. Bon, ça va, on l'a tenté que deux fois, me dira-t-on. Dans Dark Souls 1, le démon centipède, peut-être. Ah, quitte à dire, plutôt le Bed of Chaos, alors. Peut-être plutôt le Bed of Chaos. Encore que le Bed of Chaos, ils l'ont rendu moins chiant. Parce que tu... Comment dire? En gros, si tu meurs, mais que t'as quand même pété une partie, ben, la partie, elle reste cassée. Ils auraient pu faire en sorte que tu dois faire les trois parties d'un coup. Mais je pense qu'en fait, le taux de suicide chez les développeurs qui ont testé a été plutôt élevé. Et ils se sont dit, non, on va baisser. Hein, ouais, on va baisser. En vrai, je sais même pas ce qui t'appose. Il y en a qui savent. Le saut qui t'appose, l'autre là, c'est pour que tout le monde te cible, c'est pour perdre plus de dégâts, c'est... Je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, oui, donc il y aura des mises à jour pour Sekiro le 24. Pour ceux qui rêvaient d'avoir quelque chose. Le pire, c'est que ça a relancé des rumeurs comme quoi « Hey, un petit DLC, ce serait trop bien !» Enfin, faire un... Déjà, une mise à jour aussi tard, je comprends pas l'intérêt. Même si c'est bien. Je vais pas dire, bah non, ça sert à rien, c'est arrêté quoi. Non, c'est très bien, une mise à jour comme ça, c'est cool. Mais je vois, enfin, je trouve que c'est très tard quoi, je vois pas trop l'intérêt. Si ce n'est rameuter encore un peu plus de joueurs sur le jeu, histoire de... À moins que ce soit juste... Non, c'est pas pour fêter les 5 millions de ventes, je sais pas combien. Je pense pas. Ça veut quand même dire qu'il y a des développeurs qui se sont fait chier à faire ça. Plutôt que de créer une nouvelle IP. Ou de faire Bloodborne 2. D'accord, donc en fait, voilà, il te spam. Mais il est où, le con? Ah, je hais cette P1. Regarde, je m'approche pas! Laisse-moi m'approcher, enfoiré! Et arrête de spammer! Oh mon dieu! Il sait manier son arme! Là, il est juste en train de me massacrer. Alors, on va pas se mentir que c'est un massacre. Ah! Putain, mais... Mais elles vont où mes balles? Mais aussi il y a le canon tordu. Oh mais ma vie qui part direct. Moonlight on! Ah, oh, ça aurait été classe.
Non. Allez. Aïe. Logarius, taste the booyah. Oh, ce combat. J'ai... Excusez-moi, j'ai un truc planté là, vous pouvez me le retirer s'il vous plaît? Ah, ça va mieux. Moonlight, off. Nom de Dieu. Même pas, je vais voir la vieille mégère des villes sans. Rien à foutre. Merci pour les GG. Oh là là. Non mais à un moment, je tire, il est devant moi, la balle elle a disparu. Je retire une deuxième fois, alors j'étais peut-être pas tout à fait dessus la deuxième fois, mais pareil, j'ai pas vu la balle, où est-ce qu'elle est partie, elle s'est volatilisée. J'ai des balles qui se téléportent. Bon, c'est un peu chiant, hein, mais... Voilà, c'est cette emote GG absolument incroyable. C'était chaud, hein, je vais pas vous mentir qu'il m'a juste humilié sur ce combat, mais à la fin je suis quand même bien revenu. Et à la toute fin, il a tenté des trucs, je me suis dit, putain, allez, à un coup près, quand même. C'était... Non, c'était un bon combat. J'aime bien. Franchement, il donne toujours des bons combats. Alors, on tire à blanc. Ouais, bah, je veux pas leur faire du mal, à ces boss. En fait, ils sont gentils, dans le fond. Allez. Allez, allez. On va aller un petit peu dans le DLC. Il faut pas qu'on oublie qu'on a Ebrietas à faire. Mais j'ai envie d'aller dans le premier DLC, un peu. Un coup précis. Ah là là. Ah là 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 là. J'ai chaud, j'ai chaud. Le cauchemar du chasseur. Ah, c'est vrai que c'était pas de la souffrance de faire Logarius. Alors, comment ça se passe ici déjà? J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas fait ce truc. Alors, lui il est casse-couille. Alors, de mémoire en fait, t'as juste à courir là, à aller voir Laurence qui pour l'instant est gentil. Ah, mais on va voir Billy! Ah, mise à jour de Nioh visiblement. Bon, eux, ils vont me faire chier. Billy! Oh, tellement longtemps! Moi, qu'on s'est pas vu, ça va? Regardez, il est ravi de me voir, Billy. Tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Oh, ce bon vieux Billy, quoi. Il a pas changé, hein. J'en reviens pas. Fidèle à lui-même. Il était tellement content de nous, il nous a sauté dessus, dis donc. Allez, pendentif en forme d'œil. Ok. Donc grâce à ce pendentif, on va pouvoir activer l'ascenseur qui a juste après Ludwig. Donc c'est pas mal. Il y a une date pour les DLC de Nioh? Bah c'est ce week-end. C'est genre littéralement aujourd'hui ou demain que... Non, je crois que c'est le... Je crois que c'est le 30. Donc c'est demain. C'est littéralement demain. Pour le premier DLC. Ah, j'avais oublié ça. Je sais pas pourquoi je sens que... Ah putain, mais... Bah oui. Attends, mais comment ça se fait que j'ai pas de fiole? Pourquoi ça m'a pas rechargé en fiole? Je suis interdit de fiole? Bah, je suis mort. Pourquoi j'ai pas de fiole? Mais remettez-moi mes fioles! Pourquoi ils m'ont pas remis mes fioles? Pff, quel jeu! T'as vu, je suis surtout. Mais elles sont passées où mes fioles? Je demande réparation! Où est mon stock de fioles là? Mais ils ont intérêt à me remettre mes fioles, bon, qui te le dit, hein, sinon je vais commencer à bader. Hein. Pourquoi j'ai pas de fioles? Mais rends-moi mes fioles, enfoiré de jeu! What?
Majora, comment il va? Bien le bonsoir à toi. Et N Winter Soldier, salut également. Mais what? Mais... Jeune mort! En stock 600! Mais moi... Jeune mort! Rends-moi mes fioles, enfoiré! Où sont mes fioles? C'est quoi ce glitch? C'est quoi ce glitch? Mais non, mais... Attends, mais il est où le stock du coup s'il est pas là? Attends. Dans la réserve. Mais nique ce jeu. Mais nique-toi le jeu là. Oh là là. Je te jure. Écoute, il fait chaud, Majora. Il fait chaud, mais ça va. Bientôt en vacances. Oh là là. La run cursed. Mais c'est ça, j'ai jamais eu autant de merde. Déjà, ouais, avec les tiers de cordon ombilical. Hein. Oh là là. Bon. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement... Alors, attends. Merde, comme ça. Ok, donc il a littéralement pas envie. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est très très simple. Hein. On va cramer un truc comme ça. C'est tout ce que ça donne. Oh putain, mais Bloodborne. Fous-toi de ma gueule, Bloodborne. Well, that's a glitch. What? Comment je règle ça, moi? Comment ça se passe? Mais jeu de merde! L'inventaire est plein! H impossible! L'inventaire est plein de quoi? J'en ai zéro! Mais renvoie les fioles! Mais non! Attends. Tas de merde! L'inventaire est plein et ta sœur, est-ce qu'elle est pleine? Bah ouais, je vais... Putain, faut... Non mais... What? Oh bah... Ta run est buggée. Oh, c'est pas très grave. Ah, regarde, j'en ai pas. Officiellement, officieusement, j'en ai pas. Bon. Et bah, est-ce que j'ai contrarié la reine de ville sans mort? C'est où, c'est là? Mais non! Ce glitch! Ce glitch! Mais non, le jeu, c'est comme ça que tu me remercies! Après autant d'heures passées à avoir farmé cette putain de Moonlight Ultime à 23,6%! On l'avait pas montré! Mais... Ouais, disparaît! Ouais, bah fais-moi arrêter de glitcher peut-être et puis on en reparlera! Après cette cette moonlight là. Et oui, mais... Mais comment? Comment je fais?
Comment je fais? On va essayer de voir en ramassant en drop. On va essayer de voir. Où est-ce qu'on peut en dropper? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, c'est ça. Bug Tesla. Et putain de merde ce jeu. Ce jeu est en train de me chier dessus. Voilà, on a créé la Moonlight Ultime et maintenant il m'envoie chier. Attends, je réfléchis. Bah, on va retourner au tout début du jeu. Mais non! Infirmerie du rez-de-chaussée, centre de garde. Ouais, ceux à la brique par exemple, ils en drop assez souvent. Mais non! Oh, j'en reviens pas. Mais je pense qu'ils vont me dire que je pourrais pas en ramasser. Ah, bonjour monsieur. Il y a longtemps que je suis pas venu. Hein. Savoir de démon. Des balles. Les balles, c'est normal. Bon, on va essayer de crever pour voir si ça change quelque chose. On va essayer de mourir. Où est-ce qu'on peut mourir rapidement ici? Attends, où est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut se laisser tomber quelque part? Ah bah oui, on peut. Qu'est-ce que c'est que ce glitch? Waouh, quoi que... Allez les chiens! Trop long pour me tuer! Ah merde! Voilà! C'est la seule autre méthode que je vois pour corriger le glitch. Oh, j'espère que ça a marché, putain. Allez. Fais serpente, bien le bonsoir à toi. Ok, yes. J'ai regardé quelques topics, il y en a qui n'avaient plus le bug après avoir redémarré la PS4. Bah déjà, attends, on va relancer le jeu. Bah ça veut dire au moins que ça arrive à plusieurs personnes. Déjà, c'est pas mal. On va le redémarrer en hors ligne. C'est quoi? On va le redémarrer en hors ligne pour voir. Oh, ce glitch! Ce jeu de merde. Déjà que j'ai chaud, mais alors là, ça me donne encore plus chaud, tu vois. Ah, mais GG. GG, FromSoft. Putain, les gars. Allez, on recommence tout. On refait les calices. C'est reparti pour 150 heures de farm pour des gemmes qui augmentent que de quelques degrés, le bordel. Hors ligne. Continuer. On va voir. Après, ça va sûrement me remettre à zéro. Mais dans tous les cas, moi, ce que je veux voir, c'est si... Comment? Si... Après, je m'en fous. Si, genre, il me défonce mes 600 fioles que j'ai en stock, je m'en fous de ça. C'est pas grave. Je peux en racheter. Mais tant que je peux en racheter, en fait... On va voir. Donc le stock est toujours à zéro. On est d'accord. Si je retourne au rêve du chasseur. Bien le bonsoir Vincent. Non mais vu tout ce que j'ai farmé pour avoir mes gemmes, ce jeu.
Ouais, regarde, tu vois, je suis toujours à zéro là. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On va redémarrer la PS4 du coup, si c'est que le seul moyen. Si c'est que le seul moyen pour ça. On va voir. Il faut tout tester ici, les amis. Il faut tout tester. On va se remettre là. On va quitter. Oh, redémarrer la PS4. Excellent. Ah, attendez, je vous passe sur... Ah! Non! Ah! Putain, mes oreilles. Bah, attendre 2 minutes. Attention. Ah, je te jure, quoi. Ça, c'est glitch! Ah, elle est en train de redémarrer. Et du coup, attends, c'est qui m'a dit que c'est... Ah, c'était Badcore. Mais du coup, il y en a, ça leur est arrivé. Tu t'as regardé et ça s'était réglé, quoi. Alors, si c'est le cas, tant mieux. Non, mais moi, après, si ça se règle, je m'en fous. Hein. Il y a déjà une fois où le jeu nous a fait perdre nos sauvegardes et en fait, non, c'était bon. Mais genre, pendant une soirée, j'ai cru que j'avais plus de sauvegardes. C'était la veille de la sortie du DLC The Old Hunters. Je te laisse imaginer comme j'étais refait, quoi. J'étais ravi. Voilà. Allô? Ah merde, ma manette. Voilà. Ok, bah testons. Et si ça marche pas, il te reste une solution. Tu fais un screen de tous les trucs importants que tu... Ah, dans la run, pour être sûr de les avoir se souvenir et tu recommences. Oh là là. Ah, mais t'imagines, après tout ce temps passé... En plus, c'est vraiment le seul perso auquel j'ai tout fait, quoi. J'ai un autre perso où j'ai fait beaucoup de choses, mais pas autant que lui, quoi. J'étais vraiment content de voir Atto faire la série Souls. Il était vraiment impressionné par le travail de FromSoft et la joueur Raven qui a un bug sur Bloodborne. On se met en quoi? En ligne? Alors, recharger proprement mes 340 heures de jeu. Sinon, vous, ça va hein? On va le faire en no heal. NG plus 9 no heal, bah oui. Surtout que les boss te tuent en un coup. C'est du no hit. Alors on va voir si je peux en dropper ou pas. Comment je peux faire? En gros, ils me disent que la capacité de mon inventaire est pleine. Le jeu considère qu'en fait, j'ai 20 fioles, mais j'en ai pas. Ah ouais, tester avec la rune. Ouais. Pas faux. Parce que là, le jeu, littéralement, il est en train de me dire d'aller me faire foutre. Alors, c'est laquelle?
Là, il me dit toujours que j'ai rien dans mon inventaire, en fait. Ouais, non, c'est vraiment l'inventaire, là, qui a décidé de me faire chier. Putain ! Jeu de merde. Bon... Comment on fait? Ne pas paniquer. Oh, mais il doit y avoir des solutions, peut-être. Ah bah oui, supprimer la sauvegarde. Bah, y a que ça à faire. Ok. Quelle merde. Essaie de changer de perso. Ouais, ouais, on va faire ça. Quel bug à la con. De toute façon, ça fait ça sur... Non, je sais pas, ça fait ça sur tous les persos. Est-ce que ce serait rassurant si ça le fait sur tous les persos? Voyons voir. 500 heures de jeu plus tard. Jeu de merde. Le jeu, il a considéré que, tu sais, genre, ouais, c'est cheaté, il peut pas avoir une arme aussi puissante. Non, il y a d'autres personnes que moi dans le monde qui ont aussi ces gemmes. Je suis pas le seul mondialement à les avoir. Ok, on va charger Katsuragi. On va voir. Putain, c'est chiant, là, le live, déjà qu'on stream pas longtemps le mercredi. Oh. Ça va être ça, hein, franchement. Alors là, j'ai mes 20 fioles. Là, ça a l'air d'être bon. Si j'en consomme une, là j'en ai 19. Et je peux en racheter. Nécro sang épais. Ok. Donc déjà, ça veut dire que ce n'est pas sur tous les persos. Donc déjà, il y a du progrès. Ok. Attends. Et dans la réserve... Et dans la réserve, là, j'en ai combien? Tu vois, regarde, là, j'ai bien la ligne, fiole 200. Et dans la réserve, j'en ai 478. Ok. Donc, là, on est bon, en fait. Là, on est bon. J'aurais bien aimé, à la limite, c'est dire, bon, on considère Snake cette run terminée, mais il faudrait déjà la terminer. Je sais pas si c'est... Ah, c'est pas rassurant, oui et non, en fait, hein, concrètement. Ça veut surtout dire que ça vient de... C'est vraiment un glitch, quoi. Chargé. Yeah. Perso de numéro 1 Draven 2015-2020. Même pas, c'est mon perso numéro 3. On va le faire en no hit. Attention, il faut bien qu'on se promène dans le DLC. Ah, mais ça fait chier. Ça fait chier, ces bugs. On va retenter la mort. Vas-y, tue-moi pour voir. J'ai trouvé une solution sur internet à tester. Ah, attends. Deleting the game file. Reinstalling it. Ah putain, faut supprimer. Oh là, mais ça va prendre 10 ans ça. Mais merci beaucoup Manza pour la technique alors.
Mais c'est incroyable, c'est juste incroyable. Oh, c'est énorme. Désinstaller et installer le jeu, super. On avait que ça à faire aujourd'hui. C'est ouf. Et Venom12, salut à toi. Ah ouais, non, en tout cas, là, c'est sûr que c'est merdouillé. Cool. Bon, et bah, ce qu'on va faire, il nous reste encore un peu de temps. On va quand même... Putain, sans fiole. On va essayer d'aller jusqu'à Ludwig sans fiole. Hein. Et après, on va essayer d'aller... Tu sais, on va essayer en fait d'arriver jusqu'au boss d'un côté et de l'autre du jeu. Et puis voilà. C'est... Pff, désinstaller, réinstaller le jeu. Est-ce que putain... En fait, réinstaller... Enfin... Y a, combien il fait le jeu? Il fait 30 gigas, 40 gigas, une connerie comme ça, hein, c'est quand même un gros jeu. Donc le temps de réinstaller, parce que ça prend 10 ans, putain. On va regarder le live, tu sais. Alors vous sinon, ça va? Parce que moi, oui. Après, si c'est juste ça, honnêtement, ça va. C'est juste relou. C'est juste relou. Ah, oh, coup du sang récupéré. Yes. En plus, il n'y a même pas... Tu vois, encore, avec flèche du haut, tu peux récupérer des balles. Mais tu peux pas récupérer après les fioles de sang. Ok, yes. Comment je fais pour passer avec si peu de vie? Ok. Oh non 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 non. Oh c'est bon, c'est bon. Va-t-il le faire? Ouais, j'ai encore les fioles de Yosefka, tout à fait. On va repartir dans le rêve du chasseur pour revenir, ça rechargera nos points de vie. Oh là là. Chester Thomas, salut à toi. DTD, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il se passe, comme tu peux le constater, que je n'ai plus de fioles. Le jeu a décidé de me niquer mes fioles de sang. Car concrètement, nous avons des fioles de sang, hein, j'en ai 600 là. Mais le jeu considère que mon inventaire est plein. Or, mon inventaire n'est pas plein. Voilà. Parce que mon inventaire est vide. En fait, la ligne dans l'inventaire n'existe plus. Et j'ai... En fait, il n'y a aucun moyen pour récupérer des fioles, en vrai. Il n'y a même pas, tu sais, genre un item... Enfin, ouais, alors t'as... Voilà, t'as la fiole de sang... mais t'as rien pour récupérer de la vie si ce n'est des fioles. Donc j'ai vraiment genre perdu le pire truc quoi. Ah ça va être compliqué hein. Vendre des fioles. Mais je peux pas vendre des fioles. Parce que je n'ai pas la ligne.
Je peux pas vendre ce que je n'ai pas. Comprenez-vous? Quelle merde. Donc il faut que je désinstalle et réinstalle le jeu, quoi. Cool. Cool, cool, cool. Ah putain, c'est bug. Ça, c'est Locarius, il est tellement fort, il nous a fait bugger notre jeu, quoi. Parce que je suis arrivé à zéro fiole contre lui. Et c'est ça qui nous a mis en PLS. Ah, j'espère aussi, Badcore. J'espère aussi que ça va pouvoir fonctionner. Parce que si ça ne fonctionne pas comme ça, là, j'ai littéralement perdu ma save, quoi. Parce que je vois pas ce que je peux faire avec zéro fiole. Mais bon. Enfin, ce qui est rassurant, c'est que ça le fait qu'à un perso. Et surtout, beaucoup d'autres personnes ont eu ce problème, apparemment. Parce que vous avez trouvé des solutions assez rapidement. Donc, ça ne m'inquiète pas non plus, voilà. Putain, j'ai déjà plus de vie. Bon bah. Adieu. Yes. Oh, ce cri! Je crois que j'ai jamais entendu ce cri de ma vie. Oh bah tu vois, on tente tout hein, ici. Hein. Oh là. Ouais, je peux m'entraîner au no-hit, carrément. Ah, je ne suis pas Vaiguru, mais... Putain, mais ce glitch... En tout cas, je vous tiendrai au courant hein, sur Facebook, Twitter, si ça a fonctionné ou pas. Hein, Ça fait chier parce que honnêtement, après tant d'efforts, j'aurais même plus envie de jouer à Bloodborne après. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? J'ai tellement passé du temps. C'est comme ça que le jeu me remercie? Hein? Passer du temps à farmer comme un gros porc, tout ça pour rien? C'est ça ce que tu veux me dire, From Software? C'est ça, hein, Bloodborne? Fais tout ça pour rien? Ouais, c'est... Non mais de toute façon, je pense qu'il n'y a que comme ça que tu peux remettre le jeu en place. Hein. Puisque pour le jeu, en gros, sur ce personnage, la ligne de The Fiole de Sang, elle n'existe plus. C'est où qu'il faut que j'aille? Yes! Je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. C'était là-bas. J'ai tourné un peu trop tôt. Ah, quelle galère. Quelle galère. Le jeu te remercie. Thank you for playing. Ah, c'est tellement rageant, putain. Je voulais vous proposer un excellent combat contre Ludwig, là, et je peux pas à cause de ce jeu de merde. Pratique. Après, tant qu'à la fin, tout fonctionne, c'est bon. Mais encore une fois, c'est juste que, putain... Je suis obligé de mourir en... Mais casse-toi! Avec ton gros cul, là! Voilà. Allez, allez, allez Oh, il me reste de la vie, il me reste de la vie! Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ok. Ok, ok. Putain, je pensais pas faire un mode extra hard. Bonjour Jimmy. Est-ce qu'on se remet de la... Est-ce qu'on va vraiment tenter Ludwig comme ça? Non! Non! Ça sert à rien, on va gaspiller de voir la cinématique.
Ouais, non, ça sert à rien, il va me défoncer la gueule. Il nous reste quoi? Faubourg de la cathédrale. Il faut aller voir Ebrietas. Avant Ebrietas, il y a plein de choses à faire, donc ouais, ça peut être sympa. Les gens qui ont testé la réinstallation n'ont pas que des retours positifs, mais ça a marché pour plusieurs. Ok. Mais après, il y en a, faut se dire, il y en a, c'est pire. Il y en a, du jour au lendemain, ils allument leur console et ils ont plus de sauvegarde. Ça arrivait à plein de gens, ça. La cloche du cœur? À tester. De ce que j'ai lu sur Reddit, je cite: All my vials were turned into Molotov, so fully when I play again. Ouais. Ah bah, la gemme, oui, c'est sûr. C'est sûr. Attends, mais est-ce que j'ai la clé, moi? Ben, je crois même pas. Je crois que j'ai même pas la clé. Ah non, j'ai pas la clé, c'est sûr. Attends, on y va pour rien, là, attends. Mais tant qu'à faire, on va tester la cloche. Oh, sa mère! What? 7 balles pour se soigner? Cette balle. Bah nom de Dieu. Ok. Je crois que c'est en train de faire pareil à mes balles, non? Je crois que c'est en train de faire la même chose à mes balles de VA. Ah non, c'est bon. C'est bon, j'en ai 20. C'est bon. Mais ça, j'ai l'impression que ça pourrait faire pareil à mes balles. Putain. Ok. Je peux rien faire moi sans vie. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse 2 minutes. Le temps d'aller péter un mur. Non, juste le temps de d'aller boire un coup, d'aller aux toilettes. Je reviens dans 2 minutes à peine. Et bah peut-être qu'on sera du Dark Souls 1 vite fait là pendant la demi-heure qui nous reste. Ouais, Majora, c'est pas con comme idée. C'est pas con. Je vais voir. Mais au pire, de toute façon, je fais une copie de la save et tout. C'est pas le problème. On va voir. Bon, je vous laisse 2 minutes, je reviens et j'arrive. Tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien.
Et hop. Voilà. De retour, tout va bien. Enfin, j'ai eu aux toilettes surtout. Alors, du coup, ce qu'on va faire, je pense qu'on va aller sur Darsouz. Hein. Je crois que ce sera la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que j'ai raté sur ce chat? Le temps d'aller tuer quelqu'un et je reviens. là là. Oh putain. Dire qu'à un moment j'avais combien de 61 millions d'échos de sang. Oh là là. Je te fais entrer dans le monde de Bloodborne, tu corriges ce problème de fil en faisant le jeu de A à Z. Oh là là. Non mais c'est particulier quand même. On va faire du Dark Souls 1 vite fait. Je vois vraiment pas ce qu'on peut faire là. Vraiment. Je vais vous montrer des dégâts absolus sur Dark Souls 1 au pire. Jeu de mort quand même. Donc attends, du coup, si j'ai bien compris. Ouais, 37 gigas quasiment. Ouais, on le désinstallera un peu plus tard. Hein. Et c'est dans les données sauvegardées où là tu as tes saves. Voilà. Tu vois, 37 mégas. Ouais, bah super. Allez. Le jeu a décidé de me faire chier. Eh bien, je te chie dessus. Voilà. Tac. Alors, Dark Souls. Il est là. Il est pas loin parce que j'ai farmé dessus comme un porc aussi. Farmé dessus pendant quoi, 3-4 heures, je crois. 4 heures, 5 heures, je sais plus.